faut pas jeter par terre. J'ai mis mon truc dans mon sac. Ah, ils ont le même moteur que ceux qui vont sur le 170. Moi je mets tout, regarde, moi je mets ça dans mon sac, comme ça j'ai tapé. Celle-ci date de 2010, 2011. Ouais, ils ont le même moteur que ceux qui vont sur la ligne 170 de Delaine. Ouais, c'est les, ils sont assez récents. L'aéroport c'est là-bas, non? Oui, c'est par là. Là où tu vois les bazars orange, je vois. Ouais, ici, l'autoroute, ici, à la 54, ils parlent bientôt de faire la route, et, alors que pourtant, elle est en bonne manière. L'aéroport de Charleroi, Bruxelles-Sud. Attends, c'est pas le grand truc là-bas? C'est le radar. Oui, c'est le radar. C'est le radar de l'aéroport. Bah, il est au bout. Il me semble que c'est à l'aéroport de Charleroi que les avions vers le Maroc décollent. Ouais, c'est comme le bus 12 ou le bus 21 à la STIB. Oui, voilà, si tu vas à l'aéroport. Ça va, si tu vas à l'aéroport. C'est pas bon normalement ici. Qui? Sur le 68, c'est bon, mais le A, c'est la ligne A qui est en bon. Non, sur le secteur 1 et 2. Comment? Bah, c'est bon, c'est la ville. Hein. Oui, on est en zone 2, la zone 2 de Charleroi, c'est la périphérie. C'est ce que j'adorerais avoir. Un bon PC avec OMSI 2, comme ça je peux avoir des New A330, New AG300, New AGG300. Non, j'ai le 1 parce que mon PC est tellement merdique que je veux pas gaspiller 30€ sur le 2, alors que je pourrais même pas jouer avec. Oui, il est très bien, mais il faut avoir un PC assez bon. Oui, tu fais le chauffeur de bus, et t'as ça comme bus parmi eux. C'est long? Ben ça dépend, hein. Y a des lignes très courtes. Il y a la ligne de, par exemple, de Grundorf, la ligne 76. Ouais. Ça c'est une petite ligne dans un petit village imaginaire pour t'entraîner, quoi. T'as pas de vraie ligne? Si, y a la ligne 92 de Berlin. Elle est longue? Plus ou moins. Ça dure combien de temps maximum? Je sais pas, j'ai jamais joué dessus. Parce que mon PC ne supporte pas, comme c'est un PC de merde, voilà quoi. Mais c'est d'acheter. Bah si t'as un PC assez bon, ça va. Et par contre, il y a deux modes payants que je te conseille. Le Citaro GC2 et ce bus-ci. Mais je dois acheter quand même le jeu, quoi. Ouais, tu dois acheter le jeu. Dommage qu'il ne vend pas en CD. Si, ça se vend en CD, mais c'est... Mais pas en magasin, c'est livré chez toi, quoi. Je dois acheter par internet. Ouais. Sur le site d'Aerosoft ou bien alors sur Steam. Ouais, après si j'achète internet et ça fonctionne pas. Ouais. Mais j'ai déjà acheté une fois chez Aerosoft un jeu qui fonctionnait pas et ils me l'ont remboursé. C'est des Allemands, ils rigolent pas. Oh, un SMS. J'ai senti mon GSM vibrer. Bon, je regarderai après la vidéo. J'avais Driver Bus dans le jeu. Ah, Bus Driver, c'est de la merde. C'est plus un jeu pour s'amuser qu'un jeu pour faire comme pour en vrai. Mais en fait, cette ligne-là, c'est une ligne express. Oui, voilà, c'est... Ouais, il y avait marqué direct Charleroi Sud. Oui. La fameuse usine Caterpillar de Gosselies qui a viré tous ses employés. Ouais, l'usine qui a tant fait parler d'elle. C'est là parce que là-bas, là, tu veux pas, là. Comme on est tout le monde. Là-bas, en plein milieu, là. Ouais. Je fais dessus, j'aime pas. Bah, chez Delaine, il n'y a pas cette barre. Ouais, c'est...
Ouais, et les sièges de Delaine sont beaucoup plus confortables. Imagine, on amène un nuage et Delaine là-dessus. Ouais. Ah, ici, la vie de Delaine, il va. Mais le truc de plus, tu m'as dit, le jeu, c'est qu'en Allemagne. Ah non, il y a des maps que tu peux avoir. Gratos. Il y a des maps, il y a je crois une ou deux maps en France. C'est des vraies lignes. Il y a des vrais, il y a des imaginaires. C'est la con, en France. Comme vraie ligne française, il y a la ligne 91.03 Express. C'est une ligne près de Paris. Elle est longue. Elle est assez longue, ouais. Mais il y a des services barrés. Il y a des limités, donc ça va. T'es pas obligé de faire tout. Ouais. Bien. Mais la plupart des bonnes maps, elles sont allemandes. Par exemple, il y a une très bonne map, c'est la ville de Winsenburg en Allemagne. Ouais, c'est une fausse ville imaginaire, mais c'est chouette quoi, les lignes. Tu regardes qui monte, c'est ça? Le travailleur. Ouais, bah oui. Ouais, c'est une ligne express. Hein, de boîte ici. Moi, je préfère les articulés tireurs comme ça, comme les Vanol. Ça permet d'avoir une remorque plus spacieuse. Par exemple, dans tous les autres articulés, là où moi je suis assis maintenant, c'est le moteur. Là, il est à l'avant, c'est mieux. Ça, derrière, il prend place. Ouais. Parce qu'il y a le moteur qui prend les deux premières. Ah oui, le moteur vertical. Oui, un moteur pousseur au lieu d'un moteur... Ici, c'est un moteur tireur. Qui est à l'avant. Ouais, tous les autres articulés, c'est des moteurs pousseurs qui sont mis dans la remorque. Je t'ai dit pourquoi la Steam n'achète plus de Vanol. Non. Parce que. C'est pas que ça leur déplaît des. C'est le design Vanol New, c'est ça? Non, c'est pas du tout ça. Oh, les avions. C'est quoi? C'est parce que. Ils trouvent que les Vanol sont trop larges pour les. Passer dans les rues de Bruxelles et que souvent ils manquent des accrochages avec ça. Ah, d'accord. Bah, je sais qu'ils ont testé des S Lightram et des Vanol Exquisity pour le futur. Pour le futur exploitation du 71. Ouais, sur la Steam, ils devraient mettre des. Ouais. Chez moi sur ma ligne, mais jamais dit articulé quoi dans le bizant. Ah ouais, non, c'est parce que pas dans les petits trucs. Et puis la base, c'est pas.